Les Libyens doivent continuer à lutter contre l'extrémisme violent et travailler avec nous pour s'assurer que les stocks d'armes de Kadhafi ne deviennent pas une menace pour la Libye, pour les voisins de la Libye et pour le monde. La communauté internationale sous l'égide des Nations Unies doit aider le peuple libyen et ses dirigeants à bâtir une démocratie pacifique et tolérante qui bannisse l'emploi de la violence comme arme politique et qui promeuve la tolérance et le pluralisme. Avec ceux qui se sont joints à notre appel, nous devons traduire nos paroles en mesures concrètes pour intensifier la pression sur Assad et sur son entourage. La violence doit s'arrêter. Il doit partir. La Syrie doit pouvoir aller de l'avant.